Et finalement, le Sénat républicain ratifié comme Premier ministre désigné. Et vos premières impressions à la population haïtienne. Tout d'abord, merci beaucoup pour passer avec nous la matinée. On a profité de saluer tous les téléspectateurs. On a profité de remercier le président de la République là, pour la confiance qu'il a placée dans nous. On a remercié le Sénat de la République là, qui hier travaille vraiment de longues heures pour arriver à la ratification. Nous-mêmes, nous recevons la nouvelle là, nous recevons la ratification avec un peu d'humilité, conscient que le Parlement pas ban nous chèque en blanc, il ban nous mandat bien défini. Et que nous parions nous-mêmes pour nous avancer. Et donc, nous avons accepté recevoir la nouvelle là avec humilité, mais avec enthousiasme tout. Et nous pressés pour nous commencer le travail avec un pile bail qui pour faire. Conscient que je dis à la décision de prendre je dis à affecter non seulement 10 millions d'Haïtiens en Haïti, 1 million d'Haïtiens qui vivent l'autre bord de l'eau, mais aussi des générations à venir. Et donc, ce sont des responsabilités que nous prenons très, très au sérieux. Ce sont des responsabilités que nous rendons compte tout, que c'est pour chacun qui a capoté pour contre nous. Nous sommes conscients qu'il faut aller chercher tout le monde, tout Haïtien pour venir mettre ensemble. Et c'est dans ce sens que nous allons aller dans les prochains jours. Et, en fait, débat était enrichissant et contradictoire en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas de certaines inquiétudes de mon côté pas, en fait, pour ratification? Non, pas du tout, pas du tout. Je crois que jusqu'à présent, il y a un peu point d'ombre, un peu mal vu que. Je crois que demain, on va en conférence de presse pour essayer rapidement faire la lumière sur eux. Et nous pensons tous que c'est une victoire de la démocratie, c'est bien. Songez qu'il y a déjà, il y a seulement quelques années, genre de différence à eux, tu as pris sur l'autre genre. Je dis à un parlementaire qui fait des discussions contradictoires très animées, et puis tout de suite après, il y a une balotte à collade. Et nous croyons que nous-mêmes, toutes discussions nous permettent ouais, que nous on travaille pour nous faire, pour nous aller vers un pile de monde qui est beaucoup convaincu, qui est beaucoup à l'aise. Vous avez certains sénateurs qui disent que tu as qu'on est nous mieux. Il est vrai qu'au cours des 3-4 dernières semaines, nous faisons pile effort pour nous rencontrer tout le monde dans la société, pour nous écouter, nous rencontrer le secteur privé, nous rencontrer les secteurs politiques, nous rencontrer le secteur social, nous rencontrer le groupe étudiant, nous rencontrer le groupe d'élus, nous rencontrer tout parlementaire presque, et pour continuer bien en groupe. Mais moi, je me rends compte que quand même, mon travail que vous continuez à faire, pour m'aller vers vous et pour me donner l'opportunité pour discuter, pour comprendre la vision, pour comprendre ça, nous voulons faire, et pour établir une base pour nous travailler ensemble. Premièrement, je ne suis pas sûr que je l'ai dit avant que c'est un groupe qui est opposant à Michel Martelly. Moi, je voulais plutôt approcher la question en disant que c'est un groupe qui définitivement fait un chemin à président Martelly. Et nous-mêmes, nous allons essayer d'établir une plateforme pour que le chemin ça avance positivement et constructivement. Deuxièmement, moi-même, personnellement, nous ne sommes pas jamais dans l'optique de négociation. Moi, j'ai une idée. Partage des responsabilités. Et pour nous, ça partage des responsabilités, elle l'a dit. Il veut dire que nous entendons nos sous-visions, nous entendons nos sous-côtés de l'aller, nous entendons nos sous-instruments, et puis chaque groupe, chaque partie de la société a joué un rôle, que ce soit au sein du cabinet ministériel, mais que ce soit aussi dans la société civile, dans le secteur des affaires, etc. Donc, comment nous allons définir instruments et comment nous allons définir participation chaque groupe, je pense que c'est ça nous allons définir dans les prochains jours, dans les prochaines 24 à 48 heures. Il n'y a pas de doute que l'on parle en majorité, même si ces visions président qu'on va mettre en œuvre, obligé de discuter, obligé de tendre, obligé de travailler avec majorité ça, dans réflexion sur mise en œuvre. Là. Donc même si un peu comme ça nous fait lire, mais le président dit tout le monde déjà, et moi-même tout à fait d'accord avec lui, qu'il veut gouverner avec tout le monde, il veut que tout le monde puisse participer. Donc c'est sûr que le dialogue nous initie déjà et que nous pouvons continuer, pas limiter à aucun groupe en particulier, mais la très inclusif. De façon, nous-mêmes, c'est comme ça, Noël. Tu sais, la Constitution est claire. Le Premier ministre forme le cabinet avec le président de la République et c'est exactement ce qui va se faire. Certainement, nous faisons des consultations avec des partenaires qui sont des partenaires clés. Et donc, c'est dans le cadre de ça, nous parler de partage des responsabilités. C'est pour Jean Mdoula, pour nous assurer que toute partie de la société a joué Wally et est capable de contribuer. Moi-même, personnellement, je n'ai aucune vue, pas aucune vision. Pessimiste de l'avenir. Nous croyons que nous avons un moment historique là, pour que chaque Grenadien comprenne que faut qu'il fait bah, différemment si on avance. Nous croyons que nous face à une population tout, qui fait preuve de en pile patience avec tout homme politique. Et nous croyons que tout homme qui est dans le jeu politique là, qu'on y a, comprenne que s'il ne fait pas bah, autrement, la population ça va commencer à garder l'autrement. Donc, on effort et on volonté pour nous mettre toute une série de divisions. Derrière nous, pour nous jeter ensemble et pour nous avancer. Et c'est sur ça que je parle de chercher à capitaliser. Je peux dire que vraiment au fil des dernières semaines, ce n'est pas deux sénateurs ou deux députés que j'ai rencontrés plusieurs fois. Et dans tous les cas,
un sentiment que Fon met Haïti avant. Beaucoup de gens ont vraiment l'impression que mon sénateur vient juste en face main pour discuter d'intérêt pâle ou de participation pâle dans quelconque gouvernement. Toute discussion, c'est toujours qui ça nous a fait ensemble, comment nous pouvons fonctionner ensemble, comment nous avons établi des passerelles de communication, comment nous pouvons être plus efficace, comment nous pouvons rassurer la population. Parce que tu sais, il y a un fait qui est important et que je crois que faut tout le monde changer. La population fait un geste de la voter. C'est un geste important, le campement va soulever là pendant des heures, et puis ensuite, il fait un geste de voter. Et mais il faut le rendre compte que bon, il y a un direct entre le vote et un changement dans la ville. Que les choisons élus, les choisons monde que les voyez représenter, et le geste ça a fait intimement lié à l'amélioration de qualité de ville. Donc, dans le cadre du dialogue, ça a tout élu, il y a pratiquement la même responsabilité. Il faut que vous montrez résultat à leur mandat. Et nous-mêmes, l'exécutif là, c'est notre premier rôle, nous, c'est aider au bas résultat, ça. Donc, moi-même, jusqu'à présent, mon dialogue là, excessivement positif, là, pour continuer. Et c'est vrai que moi, en pile des films, pas naïf, mais mon cher, moi, en pile opportunité. Opportunité avec mon peuple qui paraît pour le travail, qui a en pile imagination, en pile créativité, qui arrive à survivre dans des conditions excessivement difficiles. Mon pays plein potentiel pour le développement, mon jeunesse qui est active, qui est engagée, qui paraît pour jouer au rôle. Mon gouvernement qui a poussé un agenda de changement, mon série d'hommes d'État tout comprennent que eux-mêmes ont une contribution que vous faites, mon contribution au secteur privé qui comprennent que j'ai fonctionné au cours des 20-30 dernières années. Il faut que vous revisitez, moi contre une société civile qui est anxieuse de jouer son rôle, moi contre la Fédération des pasteurs protestants par exemple, la hiérarchie de l'Église catholique. Cher, jusqu'à présent, pour les 4 dernières semaines, tout signal que moi je recevoir, c'est des signaux qui m'ont espoir et qui rendent moi excessivement positif quant à l'avenir. Non, parlement de déclaration de politique générale, non, c'est qui côté noyé. Parce que nous connaissons en fait, faut que ça a tout entraîné question formation de gouvernement qui côté noyé. Absolument. De bail, énoncé de politique générale là. C'est le produit de série de consultations que nous avons fait au cours des 3 dernières semaines. Il y a une bague que nous devons faire dès le départ, c'est vraiment coûter. Et nous rencontrer député par zone géographique, donc par département, nous rencontrer autour par affiliation politique, nous rencontrer sénateur, nous rencontrer tout un groupe de monde. Et moi, je crois que le premier bague pour l'énoncé, c'est que le refléter à la fois la vision du président et le consensus sur comment opérationner, le consensus très large sur comment pour l'opérationnaliser. Deuxième élément, c'est la formation du cabinet, effectivement. On connaît que nous l'avons présenté devant le Parlement avec notre cabinet ministériel. Et ça, la Constitution est claire, mais il y a le président de la République là, pour nous finaliser le cabinet ministériel, là, sur la base de consultations que nous-mêmes nous faisons, et certainement sur la base de l'idée tout que nous-mêmes nous avons. Donc, moi, j'espère que dans les prochains jours, nous allons présenter à Haïti, ça nous pensait à la fois, ça nous voulait réaliser, qui instrument nous poser pour nous proposer pour nous réaliser, ça nous voulait réaliser, et qui groupe de monde qui pourra participer au niveau ministériel. Ceci dit, m'a couru ajouter que tout le monde est jusqu'à présent conscient que ce n'est pas 18 ministres qui pourra retirer le pays à l'Assalia. Il y a bas direction, il y a bas appui, il y a créé l'environnement, il y a assuré que bon transparence, il y a bas la communication. Mais en finalité, nous-mêmes, nous allons essayer de créer un espace côté chaque grain haïtien, chaque femme ou garçon haïtien bien placé et capable de contribuer. Autrement, vraiment, il va être beaucoup plus difficile. D'abord, il y a plusieurs choses, mais avant même nous réfléchir sur le problème en particulier, même dis-nous sa expérience parmi. Expérience parmi, c'est que, ben, pas vraiment un secret dans comment on met Timon à l'école. On sait comment le faire. Pas un secret dans comment on assurer une couverture universelle en santé. Même création d'emploi, à l'OMPI, il y a une pile réflexion faite. Il y a moins une idée parmi tout, mais là, on va partager avec nous éventuellement. Mais surtout, ce qui a manqué à Haïti, même comparer la situation et la trajectoire d'Haïti avec la plupart des pays dans lesquels moins travaille et qui, je dis, n'a pas avancé, m'a cherché pour moi, quelle est cette recette que nous n'avons pas encore. Et bien, moi, je trouve que c'est l'absence de ce grand consensus, c'est vraiment l'absence de ce projet commun à côté de tout le monde qui est ensemble. Ils entendent mieux son direction et puis ils entendent mieux ce qui contribution à bail. Donc, même avant de rentrer dans les priorités ou les axes stratégiques, parce que moi-même, moi, je fais métier ça depuis longtemps, je me suis que rencontré ou interviewé un pile premier ministre qui est très de bonne foi, qui est très qualifié et qui a plusieurs axes. Et en finalité, l'organe introspectif, où il n'y a pas de agir sur axe ça. Donc, une première barrière, moi, je me pose peut-être moins, c'est quelle est la leçon apprise des 20 dernières années. Ça fait même lorsque tu as eu des ministres ou des premiers ministres qui avaient des idées lumineuses, il n'y a pas de avancer sur eux.
et qu'est-ce que je dois faire différemment. Donc c'est pour ça que je prends le temps pour me dire tout le monde que vraiment, j'ai nous-mêmes Noël là. Le consensus et la participation collective est essentielle. Et bien exemple, que ce soit le Rwanda, que ce soit Malawi, que ce soit sectoriel ou généralisé, un pays qui va avancer, c'est parce que les différents partenaires se mettent ensemble pour que les choses avancent. Maintenant, nous avons les priorités claires. Certainement, on ne peut plus continuer à ignorer les 600 000 et plus personnes qui sont sur les camps. Donc, il faut que rapidement nous mettions sur place ces interventions qui nous seront soulagement. Le gain d'appui, le gain d'inondation, le gain de tempérie, le fait chaud. Moi, j'ai fait expérience dans notre jour, nous visitons autant. Le midi en battant de ça, je trouvais que ce sont des circonstances que faut nous adresser le plus rapidement que possible. Et le président est conscient. Il était déjà avec l'équipe d'ailleurs qui a travaillé sur lui. Donc, même nous voyons comment nous accélérer. Mais, bon, bah, qui pour soutenir tout effort, ça, c'est que faut nous créer un emploi. Faut nous créer un emploi au niveau urbain, au niveau rural. Ça veut dire que faut nous comment nous relancer la production et assurer que ici on un travail qui est source de création de richesse. Donc, ça, c'est là que nous voulons travailler sur nous. Même nous prenons une question d'éducation, je nous connais déjà le sentiment président et même le sentiment tout haïtien sur la question ça. D'ailleurs, son fondement de la constitution, nous connaissons que faut tout haïtien à l'école et faut à l'école gratis. Donc, ça, c'est. Donc, en plus des 5 E du président de la République, moi, je crois que nous focus nous parlons en termes de d'échéancier, c'est assurer que nous avons l'État, un gouvernement qui fonctionnel. Parce que si nous pas un gouvernement qui fonctionnel, là, c'est difficile pour appliquer, pour mettre en œuvre activités, actions pour planifier. Deuxièmement, créer le consensus sur ce qu'on veut accomplir ensemble. Troisièmement, rassembler les gens autour de ces idéaux. Quatrièmement, mettre en place des interventions ciblées sur les secteurs clés qui ont été identifiés dans le cadre de la vision du président. Et quatrièmement, réfléchir sur une vision encore plus large de ce qu'Haïti capable sous 20-25 ans et galvaniser les énergies autour de